Les 12 coups de midi, Miss France 2020, Clémence Bottineau, rejoint le plateau pour la journée de la femme. Miss France 2020, Clémence Bottineau, a fait une apparition ce dimanche 8 mars sur le plateau des 12 coups de midi. Jean-Luc Reermann en a alors profité pour lui demander quels étaient ses projets pour le futur. C'est une apparition à laquelle on ne s'attendait pas. Sur le plateau des 12 coups de midi ce dimanche 8 mars 2020, lors de la deuxième manche et alors que les participants étaient tous à l'orange, Jean-Luc Reermann a soudainement stoppé le jeu après une question portant sur la nouvelle Miss Allemagne. Et pour cause, il a accueilli nul autre que Clémence Bottineau, Miss France 2020. Sous les applaudissements du public, la jeune femme de 23 ans est donc apparue sur le plateau à l'occasion de la journée de la femme. Jean-Luc Reermann l'a immédiatement félicitée pour défendre la femme toute l'année, et l'a questionnée sur les valeurs qu'elle souhaite prôner pendant son règne. Déjà, être une Miss, c'est avoir beaucoup de responsabilités, c'est une façon de valoriser la femme au quotidien. Dès que je prends la parole, c'est pour montrer un aspect différent de la femme, remarque-t-elle. Les femmes sont toutes des grandes dames. Clémence Bottineau a fait alors une belle figure de style, je nous vois un peu comme des petits bijoux, on a chacune nos différences, nos personnalités, nos particularités, ça fait de nous des grandes dames. Jean-Luc Reermann lui a alors demandé comment cela retentit pour elle d'être sacrée Miss France. C'est un changement de vie très brutal, mais aujourd'hui je pense que je prends le rôle de plus en plus en ma possession, ça me permet de défendre plus de choses, de mettre en avant des projets, a-t-elle répondu. Et justement, quels seraient ses projets futurs, si on se prêtait à rêver, lui demande le présentateur de TF1, j'ai envie de reprendre les études, jusque-là c'est mon projet, mais l'année sera faite d'opportunités. Clémence Bottineau est en effet en master d'histoire de l'art, et si faire Miss France lui tenait à cœur, faire de l'histoire aussi c'est une vocation, et j'espère pouvoir continuer après Miss France, confie-t-elle.